Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Odyssey. Donc au final j'ai pas fait ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, hein. J'ai pas fait toutes les régions etc hors caméra. On est 10 minutes après la vidéo précédente, hein. Et je vais rendre mes quêtes déjà à Lysandre. Souvenez-vous, c'est le gars, le général Sparte qui voulait que je tue des polémarques athéniens. Donc on va lui dire que je l'ai fait. Nos larmes ensuite... ruisselant du sang de l'ennemi montreront à nos dirigeants que ma stratégie est la bonne. Ces sauts devraient aider à les convaincre. Tu as bien travaillé. Nos troupes font mouvement. On sous-estime trop les Spartiates. Ils ne me voient même pas comme un Spartiate. Frappons à nouveau. Le commandement athénien mettra du temps à réagir. D'accord. Ah, mais c'est exactement la même quête que chez les Athéniens. C'est exactement la même quête. Je vais tuer ces chefs et ouvrir la voie à tes troupes. Seuls les fous veulent la guerre. Et pour l'instant, les fous sont nombreux dans les deux camps. Les nouvelles sont bonnes? Mes tactiques ont entraîné le renvoi de chefs athéniens pour négligence. La disgrâce est mieux que la mort. Tu es une alliée fiable. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons contrôler les forces ennemies. J'aimerais te poser une question avant. Une perte de temps. Tu ne penses pas grand bien du commandement spartiate? Quand je m'élève, il s'incline. Tu es encore ici? Va décapiter le commandement ennemi! C'est comme si c'était... Ouais, allez. Bref. Du coup, la quête principale... Souvenez-vous, on a découvert lequel des deux rois était un membre du culte. Du coup, c'est Pausanias. On va vérifier, mais il me semble que... Ouais, voilà. Ouais, c'est Pausanias. C'est l'un des deux rois de Sparte, donc on va aller le voir. On va lui défoncer sa race. Avec Myrine. Bon, je pense que ça va partir en couille, hein. Très franchement. Impossible qu'on tue un roi de Sparte et qu'on en reste impuni. Et du coup, c'est lui, c'est la mission de Pausanias qui était piégée. C'était celui qui, je crois qu'il nous avait envoyé en B aussi avec notre demi-frère qui voulait nous tuer, hein, souvenez-vous. Donc je pense que c'était ça son piège. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre? En vrai, ben, on a tout fait, non? Genre, on a... On a quoi contre lui? On a sa bague. On a quoi d'autre contre lui? Attendez. Je ne sais pas. Je devrais peut-être en chercher d'autres. On ne peut pas accuser un roi à la légère. Assure-toi d'avoir tout ce qu'il te faut. Attendez, on va vérifier. Mais de toute façon, on a ça. Il est apparu dans l'arbre. Ça veut dire qu'on a assez de choses, non? Attendez, on vérifie parce que si je me présente devant lui, je dis ouais, t'es un connard et qu'en fait j'ai pas de preuves. L'aide de Brasidas, ok. L'anneau de Pausanias, reconnaissable à la tête de lion qui est gravé, cet anneau sigillaire était utilisé par le roi de Sparte pour sceller des documents officiels. Je pense que ça suffit, très franchement, je pense que ça suffit. Est-ce que je peux les tuer? Ouais, putain. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille? Bien sûr.
Tu fais la fierté de ta mère. Mais es-tu sûr d'avoir assez de... J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. Qui sont les efforts? Tu ne te souviens pas? C'est ce que je ne fais jamais. Tu n'étais qu'une enfant. Les cinq efforts sont élus par les citoyens spartiates. Leur pouvoir s'étend même au roi. Si tu veux libérer Sparte du contrôle exercé par le culte, tu vas devoir les convaincre. Ok, c'est un jury, quoi. D'accord, je t'y retrouve. Ok, bon, là, je pense que ça va être un gros tribunal, les gars. Ça va être tendu. Oh, j'espère que Myrine va pas mourir. Pourquoi? En plus, c'est le roi, mais gentil. Enfin, il est méchant, mais c'est pas membre du culte. Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testicles, notre champion de Pancras? Ah non, c'était le poison, le piège. Marin avant d'avoir pu concourir. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béotie? Stentor et moi avons défait les forces adeptes. Mais oui, c'est l'autre adepte qui devait m'empoisonner. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations? Contre qui? Contre toi, connard. Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. J'ai parcouru les terres de Sparte, et même au-delà. Et j'ai pu prouver la trahison de Pausanias. C'est un adepte du culte de Cosmos. Ces scélérats sont prêts à tuer par centaines pour régner sur le monde grec. Ces preuves devraient suffire. Des preuves? Quelles preuves? Ainsi dont les rumeurs étaient vraies. Nous n'aurions jamais pensé qu'un roi puisse manquer autant d'honneur. L'honneur fait partie du passé. Pour tes crimes. Comment oses-tu menacer un roi? Pausanias, ton titre de roi t'est retiré. À compter de ce jour, tu es banni de Sparte. Je jure devant Athéna et Arès que vous le regretterez. Non mais le faites pas partir! Non, attendez, mon couteau! Roi fantoche! Pardonne-nous, mon roi. Ma fille ne pouvait le laisser occuper plus longtemps ce trône. Naturellement. Vous avez largement mérité de recouvrer votre statut. Sparte vous offre sa gratitude et vous restitue votre maison. Ah, cool. Tu récupères ta demeure. Notre maison. Laissons la cour mener ses affaires. Retrouve-moi à l'extérieur. Attends, oui, mais il faut pas qu'il parte, en fait, le sage... Le roi. Il serait sage de s'occuper de Pausanias le plus tôt possible. Oui. Je le ferai. C'est un adepte, après tout. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Le roi. On l'a vu fuir vers le sud. Appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Le port du village de Gitéon. Vite. Il veut... Oh putain, attendez, s'il rejoint le port, ça va être de la merde. Là. Le port de Gitéon, c'est ça, hein? C'est là, Gitéon, ouais. Il doit être par là, là. Je pense qu'il doit être à ce niveau-là pour l'instant. Allez, s'il te plaît, tout claqué. Merci. Là, quelque part, je sais pas où. Là. Voilà, Pausanias. Malaka. Malaka. On va le défoncer, Malaka. Ouais, mais là, les Spartes, ils vont me voir assassiner leur...
Mais oui, mais là, les Spartes, ils me voient assassiner leur roi. Attendez, c'est pas malin, en fait, ce que j'ai fait. Ouah. Arrêtez, mais je veux pas vous tuer, vous. Ils sont pas au courant, wesh, ils ont pas lu les journaux encore. Que je veux, c'est toi. Après, on va fuir. Je vais essayer de pas tuer les autres. Ça fait pas RP sinon. Les autres, après, ils liront les journaux et ils vont se ranger. Enfin, ils arrivent même pas à monter sur le petit truc. Ils sont tous à la queue de l'eau. Ouf. Attendez, je regardais les autres derrière. Oh oh. Mais même les habitants, ils veulent défendre leur roi, là. J'espère qu'ils vont pas toucher à la... En plus, il y a des loups, évidemment. On va les éviter. On va aller dans la forêt. On va zigzaguer entre les arbres. Là-bas. Waouh, tous les spartiates qu'il y a là. C'est quoi ça? C'est une ferme. Okay. J'attends qu'il m'ait oublié. En vrai, il commence à partir là, c'est bon. Est-ce que si je vais devant eux, ils me voient? Est-ce que le jeu est buggé? Bonjour. On faisait la route ensemble. Vous avez croisé ma jumelle. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je pense que le mieux à faire, c'est d'arriver le plus naturellement possible. Oh là là. Quoi, n'approche plus? Ah, oh, j'ai beaucoup marché depuis Akaya. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il se passe quelque chose. Putain, mais c'est compliqué de le tuer. J'aurais dû attendre qu'il parte de Sparte aussi. Genre l'information comme quoi il est plus roi, c'est... Ça s'est pas propagé. C'était 10 secondes après et personne n'était au courant à part ceux qui étaient dans la salle. Donc c'est normal que tout le monde le défende. Quoi donc?
Il y a un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Oh. Je l'ai croisé en B aussi, je te l'ai pas dit. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, hein, j'espère. Putain, je crois que c'était chez moi. Viens, entre. Je me suis retourné en mode, qui peut toquer à cette heure-ci? Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers Spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai. Ça sent la fin du jeu, ça. Mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Ça sent la fin du jeu. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je peux rien lui promettre en vrai, mais... Je vais le ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Cassandra. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Il a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire. Ramène ton frère ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller, Brasidas m'attend. Sois prudente, Cassandra. Ok, Pausanias, adepte vaincu. Xiphos de Dionysos, ok. Murmure de fantôme à Pausanias. Ok, ça c'est cool. Le fantôme aspire à la liberté quand un ancien contrôle les deux camps s'opposant dans cette guerre. On verra. On verra, j'ai ma petite idée, mais on verra. C'est quoi du coup? Vas-y, faites de... Épée légendaire. 20% de dégâts avec attitude frappe héroïque. Ouais, bon. Je suis pas fan. Ouais. Du coup, où est cette quête? Améliorer la lance, la bataille de Pylos. Ouf. Et c'est où Pylos en fait? C'est ça que je comprends pas. Pylos. Est-ce que je l'ai déjà fait déjà? Chios, Demnos, Phasos, Thasos, Lesbos. Sur la plage. Pylos, c'est où Pylos? C'est à 3000 mètres donc ça doit être pas loin si. Ça doit être par là. Je ne vois pas du tout. Pylos. On peut pas recentrer là? Je le vois pas, hein. Je vous assure que je vois pas du tout. Attendez. Déjà. C'est vers l'ouest. C'est par là. Ah ok, c'est là. Ok. Par là, l'officier spartiate sur la plage. Ok.
Ah, je me souviens de cet endroit, on l'avait fait. Difficilement, mais on l'avait fait. Du coup, bah, je vais me téléporter. Hein, on va faire ça de suite. Non, attendez. C'est la fin du jeu, on va pas spoiler. La fin du jeu. On va se téléporter, tout simplement. Et... Il est possible de virer plus serré et de glisser pendant un boost. Glisser permet d'éviter les attaques ou d'adopter une position favorable en common level. De jour, on mesurait le temps avec un cadran solaire et de nuit avec un clepsydre, une jarre, laissant s'écouler l'eau selon un rythme spécifique. Ma bouteille vient d'exploser. Enfin, vous savez, elle vient de se regonfler. En vrai, est-ce que... je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire dans cette vidéo, le truc. Ouais, parce que je vais bientôt devoir arrêter. Donc, j'ai moins de 30 minutes, là. Donc, je suis pas sûr que... On va faire 2-3 points d'interrogation. Et puis... Et puis, voilà. Genre ça là. Essayons de ne pas déclencher une révolte pendant que nous sommes ici. D'accord, Icaros? Elle dit ça parce qu'à chaque fois qu'on va sur une nouvelle île, dans une nouvelle région, il y a une révolte. La forge. Ah, c'est là, oui, c'est le. Putain, mais tous les bâtiments se ressemblent, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. En vrai, attendez, on va se déshabiller. On va mettre le truc d'assassin. Oh, mercenaire. Attends, il est juste là, là. Oh putain. On va payer la prime. Tac. Et le trésor. Ça, c'est fait. Ensuite. Ensuite, il y a un point d'interrogation ici. On va aller au moins jusqu'au point d'observation là-bas. Même si c'est très moche le temps là, mais. Très très moche même. Oula. C'est normal ça. Nuit plus brouillard là. Je suis pas très fan. Hein. Oh. Pardon.
pourquoi tu dis ça? J'ai vu une arbalète là, s'il y avait un mec qui voulait tester l'arbalète, il allait me défoncer. Bon, c'est la nuit, du coup personne ne voit rien. T'as cette atténuée, tout ça, tout va bien. Hostilité, mordeux. Ben voilà, il est facile votre jeu là. Ensuite, ah c'est vachement haut quand même. Pourquoi c'est bleu là? Pourquoi il y a des trucs bleus? Ah non, c'est jaune, c'est blanc plutôt. Ouais, c'est la neige. Ok. Et je peux pas utiliser le cheval. Parfois je me demande si aller tout droit à pied c'est plus rapide en escaladant et tout que de faire le grand tour avec le cheval. Parfois je me pose la question. Là par contre si je croise un sanglier ou des animaux je suis mort parce que j'ai que 25% de vie et je peux pas monter au-delà. Cassandra, merci. En plus elle est lente parfois à monter, c'est assez chiant, je dois dire. Donc il y a un truc ici, il y a ce château, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un fort ou... We'll see. Ah, c'est plus joli là quand même, avec le jour. Et du coup c'est là-bas que je dois aller. Okay. Oh putain oui. Oh c'est la guerre. Oh putain, c'est pas le moment d'explorer en fait. Juste là-bas. Par contre, Brasitas il a dit qu'il m'attendait sur son bateau, mais. Son bateau. Palais d'Affaré. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Je sais pas si ça va être possible à l'infiltration, très franchement. Je vais tenter, mais. Deux se couchent, ça peut être pas mal.
On va aller s'occuper de lui pendant que dorme. Il s'est retourné pendant son sommeil. Il m'a fait super peur. J'utilise tout mon truc, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Parfait. Le Stracon énigme, tout ça, c'est ouf. Il y a la tablette, et là il doit y avoir le sac. Okay. Tablette qui est juste là. Le coffre et le stracon qui est là-haut. Mémoire embrumée, ouais. Bon. Oh, il y a plein de choses à faire, Messania en fait. Mais c'est pas des trucs intéressants, j'ai l'impression. Donc, bref, on va s'arrêter là. Je peux plus jouer jusqu'à demain soir. Du coup, enfin, je pourrais pas filmer en tout cas jusqu'à demain soir. Wow. Du coup, si je joue pendant la journée, je ferai tout ça un petit peu hors caméra. J'enregistrerai les cinématiques si jamais il y a des trucs intéressants. Sinon, c'est pas grave. Et je ferai aussi la quête de Xenia, tiens. Ça par contre c'est sûr je le ferai. C'est où? Là, vous savez la quête des chasses au trésor. J'essaierai de les faire, ce fort, il faudra que je le fasse un jour aussi, putain. Et voilà, tout simplement. Sur ce, bah à la prochaine, portez-vous bien, tout ça.